Emana Keita, viens. Le petit gros est là. Eka, la team Eka, le petit gros, il est là. Oui, je suis là. Viens. Je vois ton faux profil. Emana Keita, je vois ton faux profil. Je vois ton faux profil, pardon. Il faut commenter ton vrai profil. Aputu National est là. Ce petit gros là, qui a couru derrière toi pour avoir une amitié, jusqu'à j'ai perdu 5 kilos à dame, on peut mentir comme cela. C'est-à-dire que j'étais assis et je disais, mais Seigneur, aujourd'hui est jeudi, en approche de vendredi, il n'y a pas de direct, il n'y a pas de buzz. Les gens sont là, ils attendent les buzz. Seigneur, il faut penser à tes enfants qui sont les affaires chroniques, qui sont assis là, qui se promettent du profit des gens pour voir qui est en direct, qui n'est pas en direct, qui est en direct, qui n'est pas en direct, pour avoir pitié d'eux. Un coup comme ça, là, tu attends, bim! Et mon âme qui est en direct, de surcroît, est pas du Aputu National, Adama, on ne t'a pas renseigné. On ne t'a pas dit, lui là, toi-même tu dis, je suis gros. Tu as dit, déjà, non? J'ai commencé à transpirer. Le petit gros est là. Tu as vu, Diaro, et Karia, j'ai commencé à transpirer. C'est ça. Je ne me donne pas un genre. Je suis naturel. Ça sort comme ça sort. J'ai pris deux sopalais pour toi. Deux. Parce que toi, c'est un dossier qui est lourd. À force de la manière que je vais enlever tes silicones qui sont dans ton corps là. C'est-à-dire que quand je vais enlever tous les ballons gonflables qui sont en toi, parce qu'à n'importe quel moment, tu peux exploser. C'est ça le contraire à moi. Parce que moi, je me promets avec une graisse. Mais toi, tu te promets avec... C'est-à-dire que... En toi, là. C'est-à-dire que toi... Eh, Seigneur. Ce qui me fait mal, c'est les femmes qui sont dans le direct. Là, on dit, ah, Aputu National, tu es garçon. Tu n'as pas venu faire ça. Eh, Aputu. Sinon, en temps normal, là. C'est-à-dire que... Quand tu marches dans la rue, tu peux marcher comme ça, non? Et puis, écoute, t'entends, pof! Il y a un qui a explosé, hein. Pendant que tu marches dans la rue comme ça. Et puis, écoute, attends là, pof! Il y a un qui a explosé, hein. À n'importe quel moment, c'est pour ça, tu n'aimes pas voir quelqu'un jouer avec aiguille à côté de toi. Ben, tu as peur d'aiguille. On m'a dit ça, on m'a dit que tu as peur d'aiguille. Tu n'aimes pas voir là où il y a aiguille. Parce que, il suffit juste d'un petit aiguille, t'entends, pof! Mais tu marches seulement, hein. Tu marches dans le pays. Tu marches. Un coup net, tu attends pour... Hé, hey, Adam. Écoutons la musique là. Soyons 10 000 personnes connectées avant que je ne parle. Soyons 10 000 personnes connectées. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Voilà. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Nous sommes combien? Partagez, partagez. Lorsque tu veux t'attaquer à quelqu'un là, lorsque tu veux t'attaquer au physique de quelqu'un, à la morphologie d'une personne, ce qui moi m'attriste aujourd'hui et moi me fait rire, ce n'est pas de ta faute, Emmanuel Keita. Ce n'est pas de ta faute. Tu es dans un monde. Dans le monde dans lequel nous sommes là, tu n'y es pas. Tu es dans un autre monde. Raison pour laquelle tu te donnes un genre, une personnalité, une vie, et une réflexion qui n'est pas la tienne. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Je te jure. C'est pas de ta faute. Mais à tous ceux qui sont déjà connectés, là, moi, Aputu National, et Emmanuel Keita dit, moi, le chouchou de la toile, le petit là, le Aputu Pacha, et qu'a dit, moi, Aputu National, que moi là, je. Tout cela c'est Aya Robert. C'est Aya Robert. C'est Aya Robert. Master. Master. Tu fais vidéo. Quelqu'un fait vidéo. Master. Master. Jusqu'à dire, tu es fan club. Tu es présent. Eh Seigneur, Seigneur. On peut se foutre des gens comme ça dans ce pays là. Les gens peuvent vivre dans un monde comme cela dans ce pays là. Les gens peuvent vivre comme cela. Il y a des 70 000 personnes connectées avant que je n'augmente le volume là, s'il vous plaît. Si ce n'est pas 10 000 personnes connectées, 70 000 personnes connectées, partagez le direct. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Je vais voir le nombre de partages rapidement là, avant que je ne commence à parler. Voilà. Je vais voir le nombre de partages. Je vais voir ici le nombre de partages.
Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à 2300 partages. Non. Je vais voir rapidement les 5000 partages avant que je ne commence à parler. Mettez le cœur. Prenez pas qu'un signal le direct. Mettez le cœur. Nous sommes 8000 personnes connectées. Mettez le cœur. Je dis, je vais voir les 10 000 personnes connectées. Je vais voir les 10 000 personnes connectées. Voilà, mettez le cœur. Mettez le cœur. C'est le Poutou Pacha. C'est moi, je suis là. C'est le national. Voilà. Écoutons d'abord cette mélodie-là, avant que je ne commence à parler. Voilà. Je vais commencer le direct rapidement. Les gens vont nous prendre en marche. Nous sommes déjà 8 000 et quelques personnes connectées ce soir. J'aimerais ici d'abord ce soir ici me présenter pour toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Agré Stéphane, le miel de Paris. Le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, premier ministre des légionnaires. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain Fabrice Aognon, à ma maison de production, Chama Production, Serédié Côte d'Ivoire. Parce que je suis le seul influenceur qui est produit par une maison de production. C'est moi, le Apoutou national. Emmanuel Keïta, de surcroît, aujourd'hui tu réponds aux gens. C'est-à-dire tu réponds aux grosses têtes. Voilà. Quand quelqu'un parle de toi et puis il a une visibilité égale à toi, ta visibilité, ou supérieure à ta visibilité, là tu sors pour venir répondre. Mais quand les gens t'insultent ou disent des choses, tu ne réponds pas. Tu comprends tellement français que tu dis, je vais porter plainte à Damba. On peut porter plainte facilement comme cela dans ce pays-là. On peut porter plainte comme ça facilement dans ce pays-là. Emmanuel Keïta. On peut porter plainte facilement comme ça dans ce pays-là. On va écouter d'abord les propos d'Emmanuel Keïta avant que je ne commence à parler. Donc pour toutes ces mamans qui me suivent sur cette page-là, pour toutes ces femmes qui me suivent sur cette page-là, j'aimerais d'abord vous dire, c'est quand nous les hommes en parlent, on devient injureux. Quand nous les hommes en parlent, c'est là nous on devient garçon qui est impoli, qui insulte les femmes et qui manque de respect aux femmes. Mais quand une femme se permet d'insulter un garçon, de surcroît, un garçon à qui tu as dit, à Poutou National, j'aime ton nouveau genre que tu es devenu là, tu me plais tellement, tu es devenu mignon et beau. Tu donnes envie de croquer. C'est à ce gros petit porc là, tu as dit ça quand tu m'as appelé au téléphone. Didier Puisset de London, il est là, il est témoin. C'est à ce petit gros là. Aujourd'hui, tu t'assois devant tes abonnés pour te donner un genre. Pour te donner une personnalité que tu n'es pas. Mais c'est moi, le même petit gros là. Le Apoutou Pacha. Grosse narine, grosse bouche là. Quand tu as appelé, parce que tu m'as appelé. Quand tu as appelé, après, tu m'as envoyé ton numéro personnel. Ou tu m'as envoyé tes soi-disant preuves de venir parler de ça sur Internet. Tu m'as envoyé ça. Après avoir fini de parler à moi, étudiant puisque de London, tu m'as appelé maintenant dans le privé. Mais c'est le même petit gros là, il n'a pas changé. Ou bien tu as oublié. C'est le même petit gros là. C'est le même petit gros que tu as dit. Apoutou National, j'aime ton nouveau genre. Tu donnes envie de croquer. Tu donnes envie de te laper. J'aime ce que tu es là. C'est à moi que tu as dit ça. Aujourd'hui, ce petit-là n'est plus pareil. Aujourd'hui, c'est devenu une graisse. Jusqu'à une graisse qui pèse 5 kilos pour courir, pour venir derrière toi. Ceux qui t'appellent star là, tu ne les vois pas. Oh, Seigneur. Aya Robert, tu vois dans quoi tu m'as mis? Aya Robert, tu vois dans quoi tu m'as mis? C'est toi tu me disais ici à Poutou National, pardon à cause de Dieu, Ekala c'est ma star, Ekala c'est ma star, pardon, faut poster sa photo, faut poster sa photo. C'est à moi que tu disais ça, hein. Aujourd'hui là, comme je postais sa photo, par rapport à une amitié fraternelle, aujourd'hui il savait que c'est moi Poutou National là. Moi je cours pour aller devenir ami avec elle, Eka, ta star, Aya Robert. C'est à moi, on dit ça aujourd'hui. C'est moi. On écoute. Partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai cassé Facebook tout de suite, là. Voilà. Je vais brûler Facebook, même. On est parti pour 50 minutes de direct. Voilà. On est parti pour 50 minutes de direct. Je vais brûler Facebook. Attendez rapidement. Mettez le cœur. Je vais voir, ça va dire combien de minutes tu as commencé à parler. Robert. Attends. Je rentre déjà avec un conseil. Tu as commencé à parler de moi, à partir de combien de minutes, même? Une fois. Je l'ai dit. Hors caméra, évidemment. Parce que quand tu donnes des conseils, en fait, à quelqu'un que tu aimes, c'était en fait sur eux que je criais, on va dire. Mais en criant sur eux,
Pendant le direct, s'il vous plaît, nous sommes 11 000 personnes connectées pendant le direct. Aya l'a mal pris. Et elle a été offusquée. Elle a été choquée. Et ça lui a fait du mal. Pendant combien de minutes, mais t'as mal parlé de moi. Méchant. Mais je pense que j'avais tellement de haine en moi. J'ai vu qu'à la suite de ma note, les gens commençaient à m'insulter et tu as fait des partages. Bon. Mettez la queue. Oh! Voilà. J'ai fini de parler. C'est à partir de là, là. Quand tu as dit bon, et moi là qui étais juste devant Dieu, quand tu as dit bon, moi-même j'étais assis dans mon salon et puis mon cœur s'est coupé. Boum! Je te jure, c'est la tête de mes enfants. Quand tu as dit boum, j'ai dit celle-là, elle va parler de la Poutou nationale. Seigneur, je t'en supplie, ne fais pas cette même erreur-là. Quand tu as dit boum, je te jure, j'étais couché là. J'étais en train de dégivrer mon poisson. Et puis, il s'avérait que j'ai dit Seigneur, il faut prier. Il ne faut pas parler de la Poutou nationale. Pardon. C'est là que tu as parlé de moi. Écoutons-le un peu, s'il vous plaît. Mettez le cœur. J'ai fini de parler à cette femme-là même, en fait, qui est toujours dans mon cœur. Voilà. J'aurais pu lui faire des excuses en inbox. Hein. Mais quand cette personne s'est sentie humiliée publiquement, ah, laisse au palais. Des excuses. Laisse au palais. Publiquement. Voilà la deuxième raison aussi pour laquelle j'ai fait ce direct. Il y a cette autre personne qu'on appelle sur les réseaux sociaux à Poutchou. Un blogueur. Qui a eu en fait à faire un gros mensonge sur moi il y a quelques jours. Un gros, 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 gros mensonge. Et je me suis dit que si je me tais sur ce mensonge, ça va passer crème. Et les gens penseront réellement en fait que il y a une autre. Enfin, les gens penseront réellement qu'il y a eu une discussion entre moi et ce jeune homme en fait, où je dénigre ma Aya. Attention! Les explications que je suis en train de donner, ce n'est pas dans le but que Aya revienne vers moi. Pas du tout. C'est moi qui ai demandé à Aya de se retirer de moi par rapport à son attitude que je n'accepte pas. Et si son attitude est toujours semblable, je ne cherche pas quoi que ce soit. Alors, ce jeune homme s'est levé. Il a fait un direct. Apparemment, il cherchait l'occasion de comment se réconcilier avec Aya. Et il a eu le toupet de se réconcilier. D'abord, j'aimerais ici m'imposer. Voilà. D'abord, j'aimerais ici m'imposer devant toute la Côte d'Ivoire et devant tous ceux qui me suivent en direct. Tu sais, Mané Keïta, j'aimerais t'expliquer. Je te parle ici ouvertement, hein. Je te parle ici en tant qu'un frère. Je te parle ici devant toute la face du monde entier pour te dire, tu sais, si moi, le Poutou National, je n'ai pas mis note vocale là, ou que je n'ai pas mis ce que tu as dit d'Aya Robert depuis longtemps là. Sur Facebook là, les deux personnes qui savent, c'est que trois personnes même d'ailleurs, qui savent déjà ce que tu allais dire d'Aya Robert. Si tu dis un publicitaire de London qui est assis là-bas, le grand frère, qui m'a appelé le lendemain, quand tu as fini de m'appeler la veille là, qui me demande, mais petit, tu n'as pas fait le direct là, j'ai dit, mais grand frère, est-ce qu'elle a dit hier là? Concernant Aya Robert, de venir faire un direct par rapport à ça, je ne suis pas le plus maudit de ma famille. Je ne suis pas le plus maudit de ma famille. Si moi, le Poutou National, je n'ai pas parlé depuis tout ce temps-là, c'est par rapport à une seule personne, elle s'appelle Aya Robert. Je l'ai dit à Lolo Beauté, je ne vais pas la voir pleurer parce qu'elle aime trop Emmanuel Keïta. Si je mens là, Lolo Beauté n'a qu'à venir témoigner. Quand Aya Robert a commencé à faire les vidéos contre moi, là, j'ai dit, je ne vais jamais mettre cette note vocale là. Parce que je n'ai pas envie que Aya Robert pleure. Parce qu'elle aime trop Emmanuel Keïta. Et car, c'est moi, Poutou National. C'est à moi que tu vas venir parler comme cela. C'est à moi, Poutou National. Écoutons bien ce que tu dis. Hein. C'est ta fin. Tu devais pas l'appliquer à moi. Il a eu le temps de se réconcilier, en fait. Tu ne devais pas. C'est-à-dire, en fait, il y a des gens en fait, qui ont un peu de l'amnésie. On m'a emmené la vidéo d'un jeune homme, en fait, qui est en train de dire que... Enfin, qui sous-entend que je suis une ingrate.
et que, je sais pas, que j'ai fait du mal à Aya. Il avait parlé à Aya, mais j'ai l'impression que les gens sont amnésiques, en fait, sur les réseaux. On parle quand même, en fait, d'un mec... On parle quand même d'un mec, en fait, qui s'est mis sur les réseaux et qui a traité Aya des gens en l'appelant les gens d'à côté. Je me suis enlevée avec les gens d'à côté parce que ça ne m'arrangeait pas. Et toutes les fois que ce jeune homme là faisait des directs, en fait, où il poignardait Aya, c'est dans mes oreilles que je la consolais. Je lui disais, laisse, c'est ton frère, ça va passer, laisse tomber. Laisse tomber mon cœur, laisse. Donc je suis étonnée, en fait, que cet hypocrite, en fait, se lève et utilise mon nom pour se réconcilier avec sa sœur. C'est lâche. C'est de la pure couardise, en fait. Je vais vous expliquer l'histoire de ce jeune homme. Alors, j'ai fait une vidéo, en fait, où je pleurais. J'ai fait une vidéo où je pleurais. Et dans cette vidéo, en fait, où je pleurais, à la suite de mes pleurs, sans vous mentir, c'est la vidéo que j'ai le plus regretté de toute ma vie. Ma vidéo de pleurs. C'est la vidéo que j'ai le plus regretté de toute ma vie. Et il se trouve en fait que... Il y a un blogueur sur la toile qui s'appelle DJ Publicité de London. Qui est... Je te fais un coucou, DJ Publicité de London. Qui est très proche de mon manager. Donc j'ai vu... Allez, d'abord même, j'aime mettre d'abord une petite pause ici. Voici un grand frère du nom de DJ Publicité de London. Viens, père. C'est pas amusement, hein. Devant Dieu, devant les hommes, tu te fais pas respecter, même. Tu te fais pas respecter, même. DJ Publicité de London, tu es assis là-bas, ça fait 10 ans que tu fais vidéo, grand frère. Ça fait 10 ans, toi, tu fais vidéo, DJ Publicité de London. C'est que c'est à cause de toi, même, là, que tout ça, là, c'est arrivé, là. C'est à cause de toi. Parce que le respect que moi, pour tout national, j'avais tellement pour toi, là, c'est à cause de toi. Tu es assis là-bas, ça fait 10 ans que tu fais vidéo depuis Londres. Aujourd'hui, là, ils vont dire, toi, tu es ami. C'est-à-dire que tu es très proche de manager. DJ Publicité de London, tu as fait vidéo depuis l'an 2013. Aujourd'hui, on dit, toi, tu es proche de manager. C'est-à-dire que, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les gens vous rabaissent. Les gens vous traitent en direct. Je vous ai dit que vous n'avez jamais su vous vendre. Raison pour laquelle vous n'avez jamais évolué dans les vidéos, là, quoi. Vous n'avez jamais su vous vendre. Raison pour laquelle vous n'avez jamais évolué dans les vidéos, là. Parce que toi-même, étant le chef léopard de nous tous les vidéomanes, qui a commencé à vidéo avant nous tous, là, qui devait avoir la gloire et la célébrité, là, aujourd'hui, toi, DJ Publicité de London, ils vont dire que toi, tu es ami proche avec manager. Ce qui veut dire qu'elle ne parle pas avec toi. Elle, là, elle a manager. Jusqu'à toi, tu parles à un manager. Toi, tu es proche du manager. Elle a un manager. Elle a la manager. Nous, on fait nos vidéos sur Internet ici, matin, midi, soir, là. On connaît nos réalités, hein. Nous tous, on connaît nos réalités. Elle a dit à la manager que toi, tu as mis à son manager. Tout ça, là, c'est à cause de toi. C'est pas à cause de Eka. Ben, c'est toi, tu m'as appelé. Et puis, tu l'as mis en conférence à moi. Aujourd'hui, elle venait s'asseoir pour venir toi te dire que toi, tu parles à un manager. On poursuit encore ensemble. On poursuit. Donc, j'ai vu un peu ça et là. Mais vous venez pas. Tu rentres dans les inbox des blogueurs pour qu'ils te défendent. Je sais pas de quoi il est question. DJ Publicité de London, en fait, a un très bon feeling avec mon manager. Et c'est ce bon feeling qu'il a avec mon manager, en fait, où il a même demandé à mon manager, tiens, il a nous fait une vidéo d'anniversaire et tout ça. Et je dis, ah oui, je le vois et tout ça, il a l'air cool ce mec, il n'y a pas de souci. Donc à la base, en fait... Tu entends? Tellement tu as mis un manager, là. Toi-même, tu dis un manager. Et quand tu fais une vidéo, et qu'elle est célèbre. Et quand c'est la star du monde entier. C'est que c'est la star interplanétaire. Elle est tellement arrivée, elle est au paroxysme, que toi, elle te dit à toi, ah ok, ah oui, je l'aime bien ce jeune homme, ah oui. Toi, tu dis à un cas qui a fait vidéo pour toi, DJ Publicité de London. Vraiment, ah mon vieux, il était trop respecté, il était trop bougnant. Tu as été mon mentor, oui. Parce que quand j'ai commencé à faire vidéo, là, c'est toi qui me disais, petit, voici comment il faut faire. Aujourd'hui, là, peut-être le lève a dépassé le maître. Mais le lève là, continue toujours d'avoir du respect pour le maître. Et le lève ne peut pas permettre qu'on manque du respect au maître. Parce que tu étais mon maître, oui. Quand j'ai commencé la vidéo là, tu m'as coaché. Tu m'as dit, petit, voici comment il faut faire. Voici la vidéo que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Aujourd'hui, peut-être le lève a dépassé peut-être le maître. Mais le maître reste toujours le maître. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est à toi, on vient s'asseoir là. On vient s'asseoir, hein. Et puis on dit, toi tu envoies un message à manager.
pour demander à un cas de faire vidéo d'anniversaire pour toi. 10 ans, putain, le London. 10 ans de carrière, mais faut aller à la retraite. Faut laisser vidéo, faut arrêter de faire vidéo. Le vieux, ça ne va pas, faut arrêter de faire vidéo. Parce qu'on ne peut pas t'humilier comme ça de la sorte. Un cas se donne jusqu'à une valeur aussi pour te dire que toi, tu parles un manager. Jusqu'à toi, tu parles un manager. On poursuit. Tu vas parler un manager, il n'y a pas de problème. Il parle avec mon manager. Vous comprenez? Et par derrière, en fait, il me dit, mais Eka, c'est quelle vidéo que tu as fait là, et puis tu es en train de pleurer comme ça, là, c'est pourquoi? Tu n'aurais pas dû faire cette vidéo. J'ai dit, ouais, j'ai merdé, hein. J'aurais pas dû faire cette vidéo, publicité. Franchement, j'en ai même honte parce que la raison pour laquelle j'ai pleuré réellement, c'est quand je voyais des gens mentir sur mes enfants en disant qu'ils sont mal élevés, ils s'entendent. C'est la vraie raison, en fait. Mais quand je vois que les gens pensent que j'ai pleuré parce que j'ai un gouma, ça m'a fait trop mal. Il faut que je rétablisse cette chose-là. Il m'a dit, mais comment on va faire? Je lui ai dit, oh, il faut que peut-être un blogueur essaye de faire ça comme si c'était un buzz. Écoutez-moi très bien. C'est-à-dire, il n'est pas question, en fait, que j'ai dit à un blogueur de me défendre, non. Il était question, en fait, de chercher un blogueur sur la toile qui allait faire passer mes pleurs, en fait, pour un buzz. Et Aya ne pouvait pas se prêter à ce jeu parce que c'est ma personne. Il fallait quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi. Et c'est comme ça que Publicité et moi, notre choix se porte sur Apuchou. D'abord, j'aimerais te dire ici, Emmanuel Keïta, tu es une menteuse. Voilà. Tu sais pourquoi je ne vais pas rentrer dans des propos injurieux avec toi? C'est à cause du respect que j'ai pour ma mère et du respect que j'ai pour toutes les femmes qui me suivent en direct. Tu comprends? C'est à cause de cela. Je te jure devant Dieu. C'est à cause de ce respect-là. Moi, le Apuchou national, c'est à cause de ce respect-là que je ne vais pas rentrer dans des propos injurieux avec toi. Tu comprends? Tu dis dans ta vidéo là que toi, tu cherches un blogueur. Tu ne peux pas prendre Aya parce que Aya là, c'est ta personne. Mais est-ce que Didier Pissé de London, c'est ta personne? Non. Tu pouvais dire à Didier Pissé de London de faire la même vidéo là. Mais pourquoi tu es venu me voir? Tu es venu me voir parce que tu sais que je suis le moyen fort. Actuellement, là, des vidéos, man, sur Internet. Tu sais. Tu es venu me voir parce que tu sais que je suis le moyen faible. Le moyen fort au moins. Des vidéos, man, sur Internet. Donc tu avais besoin de moi, ma parole là. Pour venir embellir toi, ton image qui est en train de se faire gâter sur Internet. Tu avais besoin de moi. C'est de moi là que tu avais besoin. Raison pour laquelle tu es venu derrière moi. Personne ne t'a dit. Didier Pissé de London t'a rien dit. C'est toi-même que tu allais dire à Didier Pissé de London. Et puis lui, il est venu moi me dire. Il m'a demandé d'avoir mon accord. Petit frère, tu veux qu'elle. Elle a dit avec elle, tu n'as qu'à faire une vidéo pour elle. Et puis moi, étant son petit là, je n'ai pas refusé de l'écouter. Je n'ai pas refusé de l'écouter. Tous ceux qui parlent d'affaires de notes vocales, d'affaires de notes de ceci, d'affaires de cela, cela, d'affaires de cela, cela, là. Voici ici, j'ai dit moi là. Je ne suis pas comme vous. Je ne reste pas là en train de choses. Comment il y avait même? Attends. Tu vois ici? Je vais te montrer quelque chose. Tu vois? Je tourne ici mon portable. Tu vois ici là? Ici là, ça là, c'est le numéro d'Aya Robert. Elle-même, elle va savoir si elle regarde le direct. C'est le numéro d'Aya Robert qui est là. Tu vois ici, il n'y a aucune conversation. C'est-à-dire, quand j'ai décidé de me séparer d'eux là, pour ne même pas qu'un jour, ça me vient dans l'esprit de dire, je vais mettre une note vocale de mes amis sur Internet parce qu'ils sont en train d'insulter ma famille ou ma maman là. J'ai préféré supprimer et tous les messages. J'ai préféré supprimer, je dis bien, j'ai préféré supprimer et tous les messages dans mon téléphone. Pour ne même pas qu'un jour, ils savaient que c'est de moi est venue une note vocale sur Internet. Ou que c'est moi qui ai envoyé une note vocale sur Internet. Pour ne pas que ça arrive là, j'ai supprimé toutes les conversations que moi j'ai d'elle. C'est peut-être elle qui a mes notes vocales, mais moi je n'ai pas de notes vocales d'elle. Je finis encore avec elle. Je rentre encore avec qui? Je rentre encore avec qui ici? Voici ici. Yaka Yaka de Paris. Voici. Tu vois ça, c'est le numéro de Yaka. C'est son numéro qui est là. Je n'ai aucune note vocale de moi avec Yaka. Tu vois ça là? Je n'ai aucune note. Parce que je ne vais même pas rentrer dans le dénigrement de dire qu'un jour je vais m'asseoir parce qu'il a dit quelque chose qui ne me plaît pas. Donc du coup, je vais venir mettre une conversation qu'elle a eu à faire. Je ne suis pas dans ce genre d'hypocrisie là. Je n'ai aucune note.
Je n'ai aucune note d'elle. Tu vois ça là? Je n'en ai pas. Ok. Je tourne encore la caméra. Moi, je ne suis pas le genre de personne parce qu'aujourd'hui, il ne marche plus avec quelqu'un. Quand il y a une petite situation, il vient s'asseoir directement et puis il met une preuve dans le but de tenir l'image de ses amis sous prétexte à cause de ce qu'ils se sont dit, à cause de ce qu'ils ont eu à se dire. Je ne suis pas dans ces genres de bassesse-là. Je ne roule pas dans ça. Je ne roule pas dans ces genres de choses-là. Dites-le puissant de London qui est assis en Angleterre là-bas. Là. Je te dis bien. Réellement bien. Je te dis bien. Je te jure devant Dieu et devant la terre. Quand vous m'avez appelé là, mon téléphone là, ça enregistre. Et tout ce que tu as dit dans la rebelle, je l'ai enregistré dans mon téléphone. Parce que mon téléphone enregistre un appel. Mais tu sais pourquoi je n'ai plus l'enregistration? L'enregistration. Parti. Tout est gâté. Il ne devait pas faire ça. Apoutou National, doucement. Ça a déjà commencé. Attendez, il y a un peu d'eau là. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est déjà gâté. La voix est déjà gâtée. Ça a commencé à crépiter. C'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Tu sais pourquoi? Moi, Apoutou National, là, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, là, ce qui moi me fait le plus mal, là, c'est à cause de Aya Robert. Je te jure, c'est ça qui me fait le plus mal, quoi. Parce que quand ils ont commencé à m'insulter, là, je te jure, il restait un peu. J'allais allumer mon téléphone pour venir la montrer par A plus B. Pour venir la montrer par A plus B. Que voici un malade qui est à qui tu défends, là. Voici comment elle vient te dénigrer chez moi. Si tu es puissant de London, il a la crainte de Dieu et qu'il respecte Dieu, là. Il va te dire. Pourquoi est-ce qu'un Poutou National n'a pas fait le direct? Parce que tu as dit, quand je t'ai dit, Aya Robert, pourquoi tu ne vas pas la voir parler cette vidéo là? Tu as dit, toi-même, tu n'es même pas abonné sur la page d'Aya Robert. Tu me l'as dit à moi, que toi-même, tu n'es même pas abonné sur la page d'Aya Robert. Que la voix d'Aya Robert, là, ça ne porte pas. Tu l'as dit. Quelqu'un qui te défend, tu dis que sa voix ne porte pas. Tu me l'as dit à moi. Mais j'ai préféré supprimer la note vocale pour ne même pas que ça me prenne un jour pour que je puisse venir m'asseoir et pour te dénigrer. Pour dénigrer Aya Robert au moins. Pour prendre ça, pour donner ça à ses ennemis et puis ils vont se moquer d'elle. Raison pour laquelle, malgré ma douleur, là, j'ai supprimé la note vocale. Malgré que Aya Robert et son grand frère étaient en train de m'insulter, là, je pourrais venir m'asseoir pour venir dire que je vais venir casser les papos. Pour venir mettre tout à blanc. Tout à blanc. Mais dis-le puissant de London, là, s'il a la crainte de Dieu, et que lui croit en Dieu, là, devant cette Bible qui est dans ma main, là, il va te dire, petit, il a raison. Si tu n'as pas dénigré Aya Robert vis-à-vis de moi, parce que tu avais besoin que je vienne te défendre, Lolo Poté le sait, parce que c'est eux qui ont écouté, c'est eux qui savent. Mais j'aimerais te dire ici, tu m'as montré véritablement que tu es le genre de personne mesquin, tu es le genre de personne aujourd'hui qui, pour avoir un nom, est obligé de torpiller les gens. Et pour se faire une célébrité. Tu te donnes trop un genre, Emmanuel Keïta. Moi, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir pour venir parler de cette manière-là. La seule personne à qui j'ai dit ça, là, c'est une amie proche qui s'appelle Fleur, Buzz de Flora. Elle s'appelle Buzz de Flora. Elle fait les vidéos sur Internet, là. Elle fait les vidéos de collage. C'est ma meilleure amie en tant que femme. C'est à elle, là. J'ai dit, regarde comment ils sont en train de dénigrer Aya Robert. Si je mens là, baisse de flore n'a qu'à venir dire ah, Poutou National, tu mens. Baisse de flore n'a qu'à venir dire ah, Poutou National, tu mens. Si moi je mens. Ça me fait très mal, hein, je te jure. Mais j'aimerais te dire ici, ce n'est pas de ta faute. C'est Aya Robert. Jusqu'à tu vas dire que moi, Poutou National, moi j'ai cherché à coller moi mon image à toi. Moi, Poutou National. Moi je cours derrière quelqu'un. Moi, Poutou National. C'est même Aya Robert là, qui m'a demandé à Poutou National. Faut mettre la photo de Yves Doro sur ton profil. Parce qu'elle t'aime bien. C'est la même là. Aya Robert a venu dire que moi je mens. Aya Robert a venu dire que moi je mens. Elle-même elle est venue me dire à moi, à Poutou National, Yves Doro là c'est ma star. Je l'aime tellement. Je dis ah bon. Elle dit oui. C'est ma star. Je l'aime tellement. Je l'aime bien. Pardon. Faut mettre au moins sa photo souvent. Et puis j'ai mis la photo d'Yves Doro pour la première fois. C'est de la même manière avec toi.
C'est Aya Robert, un mec qui m'a dit c'est ma star. Il a dit, bon, ok, mon ami. J'ai mis sa photo. Et puis j'ai mis sa photo. Si Aya Robert dit que moi je mens là, je ne fais plus jamais vidéo sur Internet. Moi, je dégage de Facebook. Si Aya Robert dit que moi, pour tout national, je mens là, je ne fais plus jamais vidéo sur Internet. Je vous le jure. Si cette Bible qui est dans ma main là, moi, je quitte Facebook. Et puis je m'en vais. Si elle dit que moi je mens. Si Didier Pissé de London dit que c'est que moi je dis. Si Didier Pissé de London dit c'est que moi je dis. Là, c'est... Tu as la chance, je te jure. C'est par amour et par compassion pour mes anciens amis d'âme là, que moi j'ai supprimé la note vocale dans mon téléphone. Je te jure. Ça me fait tellement mal quoi. Mais je ne regrette pas. Voilà. Je ne regrette pas parce que là, je n'aurais jamais voulu voir Aya Robert en train de pleurer. L'homme peut-être peut témoigner de ce que je dis. Même la comique qui est en chose, comment elle s'appelle la même là? Comment elle s'appelle la même? Comment elle s'appelle la même là? DS Collection. Lorsque Aya Robert était en train d'insulter DS Collection là, matin, midi, soir, casser les papiers de DS Collection là. DS Collection m'a dit à Poutou National, donne-moi la note là, s'il te plaît, je vais mettre ça sur Internet. Pour montrer à Aya Robert qu'elle est rien, qu'elle est en train de se moquer d'elle. J'ai refusé de donner la note là à chose en DS Collection. Parce que quoi? Parce que je ne veux même pas voir cette humiliation-là sur cette petite-là qui t'a estimé tellement, qui t'a apporté tellement d'amour, qui t'a apporté tellement de... C'est-à-dire quoi? Tellement de respect, de considération. Je ne voulais même pas voir que... Même malgré ça, je ne parlais même plus avec Aya Robert. DS Collection peut témoigner parce que DS Collection m'a dit à Aya Robert. Je ne parlais même pas avec Aya Robert. Je pouvais donner la note vocale à DS Collection. Elle va venir insulter Aya Robert avec ça. La naguer avec ça. Mais je préfère ne même pas donner la note vocale à DS Collection. Parce que venir m'asseoir et puis vous insulter Aya Robert comme cela là. Je n'allais jamais le faire. Je n'allais jamais le faire. Parce que j'ai vu combien de fois elle t'aimait. Mais tu n'as pas regardé ça. Tu es venu mettre un poste pour donner aux gens, ils n'ont qu'à l'insulter. Et toi, tu vas venir t'asseoir pour venir parler. Pourtant, tu aurais pu l'appeler peut-être en dehors des caméras ou en dehors des postes pour lui dire, Aya Robert, je ne veux plus que tu coies ton image à moi. Personne n'allait savoir. Elle allait enlever sa bouche dans ton affaire, chouette. Et puis, personne n'allait se moquer d'elle. Mais tu as préféré faire le poste parce que tu te crois mieux qu'elle. Tu vas la traiter aujourd'hui, ton trou de fan club. Genre, elle a voulu être présente de ton fan club. Tu es tellement star. Tu es tellement star. C'est Dieu qui m'a fait, j'ai supprimé. Je te dis juste merci beaucoup. Quoi. Voilà. C'est tout. Voilà. Je te dis juste merci beaucoup. C'est pas de ta faute. C'est la faute de Aya Robert. C'est même pas de ta faute. C'est la faute de Aya Robert. C'est la faute de Aya Robert. C'est même pas de ta faute. Si moi, pour tout national, tu ne m'as pas dit ça là. Si moi, je mange là, manger là, il n'y a qu'à vomir et puis il n'y a qu'à dja. Ma soeur Baisse de Fleur, elle a écouté. Notre vocal que toi-même tu dis que c'est faux là. Elle écoutez, c'est mon bon cœur qui m'a fait supprimer ça. Pour ne même pas que ça soit. C'est que si je n'avais jamais vu ton poste pareillement là, je n'allais jamais venir m'asseoir même pour venir même parler même de ce que tu as dit d'Aya Robert. Parce que tu as conclu ce que je pensais de toi depuis longtemps. Utiliser les gens pour avoir nom là. Tu l'as fait ça depuis longtemps. Moi je ne suis pas dans les injures toi. Hein? Non, tu es une femme. Donc tes propos injurieux que tu as eu à vivre vis-à-vis de moi, me traiter de petit gros, j'ai perdu la graisse là. Je ne vais même pas rentrer même dans les propos injurieux avec toi. Voilà. Parce que tu es une femme et tu mérites le respect. Raison pour laquelle je ne t'ai pas insulté ce soir. Mais j'aimerais juste te dire, tu as beaucoup de chance. C'est la vérité. Tu as la chance que moi là, j'ai la crainte de Dieu. Tu as la chance que moi là, j'ai la crainte de Dieu. C'est pour ça. Sinon, j'allais te montrer mon vrai visage. Et je te dis ça ouvertement. C'est tout. Maintenant là, tu dis... Moi, je prends Didier Pissé de London en témoin. Je prends Didier Pissé de London en témoin. Je prends... Parce que même là, la seule personne même qui était au courant, c'était Didier Pissé de London. J'ai fait écouter ça à ma meilleure amie qui s'appelle Baisse de Flora. C'est elle qui allait dire ça à Lolo Beauté. Sinon, moi, je voulais même pas que ça arrive dans les oreilles de Lolo Beauté. Mais c'est Baisse de Flora qui allait dire à Lolo Beauté, c'est qui toi, tu es venu moi me dire. Donc, la seule personne qui est témoignable, qui peut dire la vérité là, et qui peut dire ce que moi je dis là, si c'est faux. Si toi, tu n'as pas dit que Aya Robert, là, toi tu n'es pas abonné à sa page, que sa voix ne porte pas. Raison pour laquelle tu ne vas pas vers elle. Là, pour qu'elle vienne faire vidéo pour toi là. Si toi, tu ne m'as pas dit ça là. Dis-le, pardon, à quoi le Dieu, il faut venir témoigner ça. C'est tout.
Aujourd'hui, la note, là, je n'en ai pas. Parce que je l'ai déjà supprimée. Voilà. Je l'ai supprimée parce que je n'ai pas besoin même de venir m'asseoir pour venir montrer ces genres de choses, au fait. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Mais j'aimerais juste te dire, au moins, là, tu as montré déjà à moi, à Aya Robert, à Didier Pistole de London, à Lolo Beauté, à DS Collection, à Baisse de Flora, le genre de personne que tu es. C'est tout simple. Moi, déjà, là, c'est déjà ma guise. Voilà. Ça prouve véritablement qui tu es. Que Dieu te bénisse abondamment. En ensemble, ciao, ciao.